besoins en financement de la transition sont considérables. Rien que pour la transition vers une économie bas carbone, les besoins sont estimés à 40 à 75 milliards d'euros par an chaque année d'ici à 2030. Pour répondre à cet objectif et à ces défis, la France, donc le ministère de l'Environnement avec Bercy, avec le ministère de l'Économie et des Finances, se sont engagés à travers différentes mesures. Vous avez en premier lieu l'article 173 de la loi pour la transition énergétique en 2015 qui oblige les investisseurs à rendre compte de leur prise en compte de la trajectoire 2 degrés dans leurs investissements et des risques que cela implique. Vous avez l'émission d'une obligation souveraine verte de la France pour 7 milliards d'euros en janvier 2017. Aujourd'hui, son encours s'élève à 14,8 milliards d'euros, donc de dépenses vertes de l'État financées par ce biais. Et enfin, vous avez la définition de label, notamment le label TEC, donc pour la transition écologique et énergétique, et qui permet de labelliser des projets verts en toute transparence pour un montant aujourd'hui de l'ordre de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de labels qui sont portés par les pouvoirs publics en France. Vous avez notamment le label TEC, donc le label pour la transition écologique et énergétique pour le climat. Vous avez également le label pour le financement participatif des projets d'énergie renouvelable. Vous avez ensuite, dans un univers plus socialement responsable, le label qui s'appelle ISR, donc investissement socialement responsable, qui est un label avant tout basé sur une gouvernance conforme aux principes édictés. Ces labels aujourd'hui ont une portée relativement limitée en volume. Par exemple, le label financement participatif a un encours d'environ 8 millions d'euros seulement, mais il est très récent. Le label TEC a un encours d'environ 6 milliards d'euros. Ce sont des labels qui néanmoins sont des labels de niche et ils sont assumés comme tels. Il s'agit de la part des pouvoirs publics de porter un message d'exigence la plus importante et d'exemplarité, ce qui permet ensuite à certains acteurs de marché de s'inscrire dans cette mouvance et d'avoir des produits peut-être un peu plus grand public. Sachant par exemple que pour le label TEC, il ne faut pas oublier non plus que c'est un label qui finance pour une certaine part des projets un peu risqués, avec un rendement qui peut être un peu plus élevé, mais qui ne s'adresse pas forcément à tous les publics. En tout cas, ces labels sont là pour renforcer la confiance des consommateurs, mais ils n'ont évidemment aucun rôle d'uniformisation ou de place unique sur le marché. Aujourd'hui, les obligations vertes représentent moins d'1% du stock d'obligations vertes mondiales et en flux, on est guère au-dessus de 1 ou 2%. Donc on voit bien que la transition n'a pas encore vraiment eu lieu. Il y a encore beaucoup de besoins de financement qui ne sont pas couverts. Donc effectivement, la transition est encore en cours, il y a encore des efforts à faire. Beaucoup de choses vont venir à la fois du niveau international et du niveau européen. Au niveau européen notamment, il y a des discussions en cours au Conseil européen et au Parlement sur 3 projets de texte concernant la taxonomie, c'est-à-dire quels projets peuvent être verts et à ce titre servir d'actifs sous-jacents pour des obligations vertes, quelle méthodologie adopter pour des indices bas carbone qui vont servir à guider des décisions d'investissement, et enfin, quelles obligations de transparence dans la veine de ce qui a été fait en France avec l'article 173 de la loi de transition énergétique. Pour ce qui concerne le plan national, nous travaillons avec Bercy pour faire des propositions et continuer à avancer, continuer à développer la place de Paris. Nous travaillons également, évidemment, en lien avec la place de Paris, donc qui s'est organisée avec Finance for Tomorrow. Et bien entendu, nous allons également publier le bilan de l'article 173 3 ans après, comme cela avait été prévu dans la loi, afin de savoir si la décision qui avait été prise d'obliger les entreprises à révéler, les entreprises d'investissement à révéler leur stratégie pour prendre en compte le risque de transition a été couronnée de succès et si les méthodologies en place sont effectivement efficaces.